bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, Guiton au PSG, il y a des logos partout, on est entouré de beaucoup de gens. Est-ce que je suis en conférence de presse? Je sais pas, bref, les gars, vlog aujourd'hui, c'est parti. Ah ouais. Oui, c'est Ervan. Bon, ça dit quoi les gars? Dans cette vidéo, vous allez nous suivre dans les 10 km organisés par le PSG. C'est une course où on devait courir. Ça me semble logique. On a participé à cette course grâce à la Grenade Blocks, comme d'habitude. Un grand merci à eux. Et on a été entraînés par les GOAT, Ladji Doucouré et Mathieu. Merci à vous les gars. Bien sûr, on s'est tous entraînés individuellement en parallèle des entraînements qu'on faisait en groupe. Je sors du premier entraînement très là pour le marathon. On suis comme des fous, frère. En vrai, c'est super cardio. Mais en vrai, faut que je m'entraîne encore parce que Belek pour le marathon, après, j'abandonne après 10 minutes. Il a du cardio, je pense, il a du cardio. Non, c'est lui la garage. C'est moi la dame. C'est moi. Un grand merci également à Nike parce qu'ils nous ont bien équipés. Hein. Et regardez seulement. Bon les frères, du coup, j'ai reçu mes équipements pour les 10 km. Je les ai reçus juste après l'entraînement à la fave de Golden Box au stade là. Ça veut dire en fait j'ai pas trop regardé, j'ai devais partir vite et tout. Là, petit unboxing maintenant. Unboxing, on va commencer par ça. Tout est Nike bien sûr parce qu'on est sponsor par Nike. Je sais pas si c'est un t-shirt ou un pantalon. Ah non, c'est un short. Ouais, c'est un short de course du coup. Franchement, c'est pas mal, c'est bien. Bien, ok, c'est pas mal. Je le mets là. Hein, faut pas toucher ses Nike, hein. Attention. Après, bah, du coup, déjà, il y a des petites chaussettes, tout simple. Hein. C'est des chaussettes, tout simplement, j'ai rien à dire sur ça. Après, ah, ça, je crois que c'est des t-shirts parce que j'ai vu des gens qui en avaient. T-shirt Nike qui était seulement. Là, tu vois ça, je fais 10 km en 30 minutes. Oh là. Qu'est-ce qu'il dit là? Là, je pense que c'est un pantalon, du coup, logiquement. Ouais, c'est un pantalon. Est-ce que je les essaye? Sauf que c'est pas fini. Regardez ce qu'il y a là. Il y a quoi dans la boîte? Des chaussures? En vrai, de vrai, je l'ai déjà utilisé parce que j'y cours avec, du coup. Attention, hein. Hey, this is a shoebox. Hein? Tu sais que les frères, j'y cours avec. T'as des appuis, genre, tu sais pas, tu voles dedans, je sais pas, c'est trop spécial. Bref. Du coup, je vais les essayer, là. Et je vais me mettre en tenue de coureur, tout simplement. Bon, les frères, c'est bon, je suis habillé, guité. Je suis en Nike. Tout est Nike. Tout est clair. En vrai, de vrai, là, je me regarde dans le miroir. On dirait que je suis quelqu'un qui fait de la course tous les jours. Alors que je suis quand même entraîné pour ça. En vrai, de vrai, sinon, je suis pas un gars qui court habituellement. Merci à Golden Box et à Nike pour nous avoir équipés. Vous nous avez mis très, très bien. On dirait que je suis en cours, en fait. Guess. On dirait pas, mais. Guité, ce que je fais, il est minuit 50. Et je fais ça pour faire des vidéos. Je suis. On va passer à la suite en fait. Un jour avant la course, on a participé à la conférence de presse de Caster Semenier au Parc des Princes. Faut savoir que tout au long des entraînements, de l'événement, etc., il y a eu beaucoup de contenu qui ont été diffusé sur les réseaux. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Le marathon des 10 km. Golden Blocks Academy, an association created by... Ah non, c'est pas du caca. Mais là, la Golden Blocks m'ont dit de faire du contenu pour qu'ils le publient ensuite. Donc c'est disponible là sur Instagram. Voilà, hein, c'était super cool. Bon les gars, du coup, on est au Parc des Princes. Du coup, on va faire la conférence de presse, tout ça avec Caster. Il y a beaucoup de gens, je sais pas si on m'entend. Donc je continue à l'intérieur en fait. Alors les gars, on est quelques minutes avant la conférence de presse. Guité, j'ai un papier à mon nom, genre. Je suis grave heureux. Et j'ai un petit sac pour le 10 km. C'est très stylé les gars. Et on est les jours de foot ou quoi là? J'ai signé là. Oh purée. Alors on va signer les gars. C'est moi Mbappé aujourd'hui. Les gars, je suis pas Mbappé. Les gars, regardez là, petite conférence de presse, on va commencer. C'est la première fois que je vois ça, genre. À chaque fois je voyais ça dans les vidéos, maintenant je voyais ça ici. Là, normalement je vais faire du contenu en mode je filme la conférence de presse et tout. Donc voilà. Bah, du coup les gars, là la conférence de presse elle vient de se terminer. Là en gros j'ai créé du contenu et tout. Vous allez le retrouver dans mon Insta et le Insta de Golden Blocks normalement. Genre là il y a plein de médias. J'ai évité de les filmer parce que je sais pas si je vais vraiment en vrai de vrai. Et voilà, tout se passe bien les gars. Amazing. I want to thank to Neymar and Mbappé and all the players like that because without us I oh. Les paparazzi ils arrivent. Ah les paparazzi, yeah. Ce mal embandé. Ok, cool, run. Ah, j'ai pas de carte du corps. Ah, pourquoi? C'est bizarre. Bah, je sais pas, personne me suit et tout. C'est là où Dati y va. Attends, t'es sûr qu'on a le droit? Les gars, on est remplaçants, mais bientôt tu suis là. Voilà. Et j'ai oublié de vous montrer mes guettés. Là-bas, c'est l'arrivée de. Là, on va arriver. Là, pour l'instant, on est en train de chauffer le banc. Mais allez, venez, rapprochez-vous. Il faut que ça. Ok, on me laisse pas faire de vidéo quoi. They don't like me a lot in this place. I'm not safe here. I just want to go to my home. Il a lâché des mots aléatoires. J'ai vraiment dit vrai. Non, après, j'avais rien dit. Mais ok. Des donuts sucre au sucre ou pas? Ah, c'était gênant. On va arriver par là. Après, à gauche. Et là, toc. Et voilà toc. Mais non, c'est pas possible. On fait les 400 derniers mètres, ça le manque. Les 400 derniers mètres. 400 mètres, c'est toute la piste 400 mètres.
Mais pourquoi on fait qu'à 100 mètres, c'est pas 10 km? Les garçons, vous êtes où? Les garçons, vous êtes où? Dans sa buvette qu'il a racheté en fait. Ouais, j'ai tout racheté les gars. C'est YouTube. C'est YouTube là. Là, YouTube, moi, là, les gars. Il monte ici là. C'est sur cette chaise qu'il monte toutes ces vidéos là. À chaque fois, les gars. Je suis comme ça. Je suis. Les gars. Non, I'm not a star. I'm a star. Oh my god. Fais un message d'amour fait. I love you. I love you guys. It's not the luck. You know, many people are not the chance to have opportunity to show their talents. So I'm thanks to Modern Vlogs, Paris Saint-Germain for this opportunity. I'm not a creator. Bon les gars, je suis du marathon, il est déjà moins... Ma pocarte, je sais pas trop comment ça s'appelle. Bref, en fait les gars, je suis déjà bif comme ça et tout. Parce que en gros, il n'y a pas de vestiaire, sac, tout ça. Mais voilà, là je suis déjà prêt, là je suis en train de faire des petits œufs. Comme ça après, je mange et après je suis au PO. Ça va, je suis pas trop fatigué, je me suis réveillé en pétard. Mais là ça va. Bref les gars, jour J, transition Parc des Princes. Bon les gars, du coup, là je suis arrivé au Parc des Princes. Là-bas il y avait énormément de gens. Car moi j'ai refait une vidéo parce qu'il y avait trop de gens. Genre, on va rejoindre la Golden Blocks les gars et on va voir comment ça se passait. Les gars, on est arrivé avec la Golden Blocks. Il y a pas tout le monde, on est quand même là. Il y a trop de bruit, je sais pas si on m'entend en vrai de vrai. Hein. Là-bas c'est chauffé. En vrai, ça a commencé en 30 minutes, ça veut dire que c'est vraiment chauffé maintenant. Et voilà. Alors, c'est quoi tes impressions avant le Dika? Tout s'est démarré, surtout Erwan. Il y a trop de bruit, on attend pas grave. Je sais pas si on nous entend, ça veut dire. Alors, c'est quoi ton temps pour les 10 km aujourd'hui? Ah, il a cru que je lui fais des vidéos. Ouais, mais du coup, je t'ai posé une question. C'est quoi le temps que tu comptes faire? Et toi, c'est quoi le temps que tu veux faire? Bon, je vous pose une question, je réponds pas une question. J'ai pas trop compris, les gars. Mais ça va commencer. Là, regardez, on attend notre place, je crois. Mais tu vas faire combien de temps? T'as pas dit? En vrai, je vais faire entre 50 et 55 minutes, je pense. En tout cas, moi, j'ai une heure. Normalement, on arrive à côté sur la ligne d'arrivée. Normalement, après. Si je le fume. Ça va tout le monde? Ça va. Dès qu'on voit qu'il y a un copain qui va pas bien, on l'aide, on soutient, d'accord? On est dans l'entraide, à fond, à fond, à fond. Parce qu'il n'y a pas meilleure sensation que de sentir réussir quelque chose. D'accord? On est avec la Golden Blocks Academy pour commencer le marathon. Je suis très heureux, les gars. C'est un marathon, bordel! C'est pas un marathon. Tu sais que pendant tout le vlog, je disais marathon. 4 fois plus en marathon. Bah, en tout cas, pendant tout le vlog, il s'est trompé. Allez, les gars. Ah, ça va vraiment commencer. Je sais pas si tu nous entends, mais ça commence, les gars, qui étaient riches. C'est incroyable. Les gars, ça commence. Ça commence. Allez, les gars, c'est parti. C'est parti. En vrai, de vrai, je me sens bien cette course. Bon, après, j'ai pas parlé trop vite. Tout le monde veut filmer d'or. Les gars. Vous êtes une star, j'ai vu votre vidéo sur YouTube. Oh, merci, ça fait plaisir. Non, les gars, arrêtez pas maintenant. S'il vous plaît, pas maintenant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hey, les gars, y'a plein de gens, c'est une dinguerie. Ils sont stylés. C'est une dinguerie. C'est pas wesh. Les gars, c'est une DES. Là, on court un bien gars. Je sais pas si c'est stabilisé, ils sont montants. Et carré. T'as dit quoi, wesh? Eh, c'est pas stylé. Ouais, j'ai vu, ça, c'est la première fois qu'on fait ça, mais c'est une dinguerie, wesh. C'est incroyable, c'est une dinguerie. Là, je suis grave héros là. Vraiment, même moi. J'ai serré depuis tout à l'heure, vraiment. C'est une dinguerie. Je vais parler après, je vais te mordre. Ouais, même moi, en fait, de vrai. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Bon les gars, là on est à 6 km, je développe pas trop pendant que je cours parce que je dois pas me fatiguer. Après je commence à accélérer en vrai de vrai. Là on court en groupe, là je suis tout seul depuis un moment déjà. Donc je vais faire des perfs solo, tout, accélérer les gars. On est devant le parc, je crois que c'est fini en vrai de vrai. Ça veut dire je sais pas trop ce qui se passe, on a arrêté. J'ai fait 57 du coup, ouais, 57 c'est pas mal, en tout cas j'ai fait moins d'une heure. Toute l'équipe de Golden Blocks, ah ouais ils sont là. Les gars c'est comment eux? Comment ça va? Les gars c'est comment eux? On va rentrer dans le stage, genre en mode joueur. Il m'a dit oui, arrête. Il m'a appelé, il m'a dit ouais tu rentres en mode joueur et tout. Ah, faut terminer en courant? Ouais, ah, il nous ouais. Nous ont tapoté, faut encore courir en fait. Ah, c'est l'arrivée dont je vous parlais hier, les gars. Ouais, je l'ai vu venir. Les gars, l'arrivée elle est là? L'arrivée elle est là? Les gars, on l'a fait. Oui, quand vous avez son large, faut crier. Les gars. 10 km terminé les gars, c'était incroyable les gars, c'était vraiment une dinguerie. Impression, impression, impression. Après quoi? Impression. Par rapport à ça? Bah le 10K. Ah oh, c'est une petite balade tranquille. Franchement c'était facile hein. Je peux dire un mot? Vas-y, vas-y, vas-y. T'as pensé à la télé? Ouais. C'est quelle télé? Quelle chaîne? France 2, France 2. Bah moi je voulais dire franchement là pour moi parce que c'est une okay. Course, je m'attendais pas à un marathon, ouais. Comme dirait Erwan. Ouais. Golden Blocks a été à fond les gars, Lucille, Mathieu. Yeah. Ce qui
est kiffant, c'est que bah, je vois dans vos yeux, vous avez kiffé cette saison. Moi, j'ai vu ça, je vous ai pas vu beaucoup, mais j'ai vu ça. Et c'est un kiff de voir que vous kiffez. Donc, félicitations à vous, kiffez encore, restez connectés et puis, bah, life. Ok wow. Là t'es où là? Bah là on est au McDo, on va manger après, après la course. Là on va manger. Il y a beaucoup de bruit. Alors interview micro, c'est la fin de la vidéo d'Ervan. On a bien couru, on va bien manger. Au revoir. Et tu veux faire le 30 aussi? Ouais, là je vais vous donner une leçon très importante quand vous avez des salles de McDo. Wesh. Il a volé mon sac.